Bonsoir Céline Minard. Donc le grand jeu arrive après l'exploration de différents mondes et de différents genres dans vos textes, du dernier monde qui était plus SF, en passant par Bastard Battle, par Olympia et le XVIe siècle décadent romain, selon Louise. Et puis on vous avait laissé dans les grandes plaines du western. Et là, vous arrivez avec le grand jeu, où, contrairement à faillir être flingué, son western et ce grand nombre de personnages très interlopes, là on se retrouve dans un quasi huis clos entre deux personnages, plus plein d'insectes, plein d'animaux et une marmotte fabuleuse. Votre narratrice se fait déposer en pleine montagne, dans un terrain de 23 km² pour vivre dans une espèce de tube de vie et tenter l'isolement, l'autarcie. C'était littérairement intéressant de quitter les grandes plaines et de se retrouver dans la verticalité de la montagne et de laisser l'horizontalité des plaines et d'un coup de changer complètement de paysage. Ben, j'espère que c'est intéressant. Mais pour autant, je n'ai pas tellement pris beaucoup de hauteur, même si elle grimpe pas mal. Elle ne voit pas grand-chose. Ce n'est pas tellement qu'il y a du brouillard tout le temps, mais la montagne est quand même très pliée et ce n'est vraiment pas une carte. Donc il n'y a pas plus que d'en faillir être flingué, il y aurait une position de surplomb là-dedans. C'est plutôt un rapport au volume qui m'a intéressée là-dedans. Dans Faillir être flingué, c'était plat et le volume était plutôt celui de étal, comme celui d'un océan. Et là, c'est vraiment un volume en trois dimensions. Une épaisseur d'air, de gaz. On dit qu'une pente est gazeuse quand elle est très, très proche du vide. Et c'est certainement le vide qu'il s'agissait de faire sentir comme matière, plus que comme danger, peut-être. Je l'ai dit, votre narratrice fait le choix de l'isolement, la tentative de vivre en autarcie. Et c'est une des autres questions du livre, est-ce que c'est possible de vivre en autarcie? C'est là-dessus que vous vouliez vous pencher également? Oui, et peut-être aussi sur la notion d'autonomie, mais au sens premier de se donner à soi-même sa loi ou sa propre règle. Parce que ce qu'elle veut trouver, c'est bien sûr une indépendance, une sorte d'autosuffisance, enfin, qui passe par le travail, le potager, l'exploration, la pensée, mais c'est aussi, et principalement peut-être, est-ce qu'il y a une règle privée? Est-ce qu'on peut trouver comment vivre seul en montagne en se confrontant à une nature très variable et très intense? Vous écrivez un moment, effectuer les gestes de l'autarcie, les gestes simples, quotidiens. Voilà ce que je m'étais proposé de construire pour habitude. J'ai investi cet environnement et ces conditions qui me permettent de n'être pas dans l'obligation de croiser tous les matins un ingrat, un envieux, un imbécile. Elle est, disons que l'autarcie est aussi choisie pour échapper aux gens, clairement. C'est pas juste une tentative scientifique aussi. Non, je crois qu'elle part d'un constat et qu'elle essaye de se retirer de ce genre de contact. Ça sort de Marc Aurèle, hein, il dit, n'oublie pas que tous les matins tu vas rencontrer un envieux, un ingrat, un imbécile, un sot. Il a une liste plus longue en plus, mais c'est un empereur. Elle, non. Et c'est effectivement une volonté de retrait du monde social courant et de la relation humaine courante aussi, dont elle suppose qu'elle n'est faite généralement que de promesses, de menaces, de séduction, de destruction.
et dont elle cherche à dégager peut-être un cœur plus tendu, plus net, et hors de ça, et hors de ces jeux-là. Et vous construisez votre livre avec presque deux voix, enfin une voix où on la voit dans son quotidien. Elle est arrivée avec des graines, enfin, tout est prévu à l'avance, donc on la voit défricher, planter, courir après les marmottes, etc., etc. Et puis en parallèle, elle remplit des cahiers dans lesquels elle raconte ce quotidien, mais qui sont entrecoupés de fragments réflexifs, et où justement elle s'interroge sur les jeux de pouvoir, sur le rapport à l'autre, et ça donne deux écritures vraiment complètement différentes. Oui, sûrement. En même temps, c'est de toute façon, toutes ces parties se répondent et s'imbriquent. Et la réflexion et l'exploration ou la grimpe, c'est un peu le même. C'est la même question. C'est deux réponses différentes à la même question. C'est comment s'orienter très physiquement, enfin dans la montagne. Comment définir un territoire et un champ de pensée. Et les questions sont là également comme jalons de son cheminement mental, enfin psychique, mais c'est la même question. Comment on vit, avec à quelle aune on règle sa vie, sur quelles règles et comment on fait sens en fait. On parlait du rapport à l'autre. J'ai dit au début qu'il y avait deux personnages. Parce que, bien évidemment, son isolement choisi va être rompu par l'arrivée d'un moine qui s'avère être une nonne, qui est un personnage, on va dire un ermite, qui est un personnage assez mystérieux, cabot, totalement barré. Et elle le dit à un moment, je ne peux pas, personne ne le peut, ne pas prêter attention à la présence d'un humain. Et en fait, c'est tout. La présence de cet ermite, l'arrivée de ce personnage sorti d'on ne sait où, vient rompre totalement l'équilibre. Oui, c'est un peu le grain de sel dans la machine très calculée, parce que c'est quelqu'un d'assez méthodique, ma narratrice, donc elle avait vraiment tout prévu, sauf ça. Et ça, c'est un peu bizarre. Et d'ailleurs, c'est très marrant d'être dans cette salle pour moi ce soir, parce que ce personnage de la nonne, du moine de la nonne, il vient de loin, mais d'un spectacle de Carlotta Ikeda que j'avais vu ici. Et c'était fou, parce qu'elle était sur scène, on rentrait tous là, par là, enfin, on s'installe, on bavarde, machin. Il y avait quelque chose sur scène, mais bon, on ne savait pas trop quoi. Et puis le quelque chose s'est mis à bouger, et là, ça fait vraiment peur. Parce que c'était un tas de rochers, normalement. Et ça commençait à bouger d'une façon très étrange. On ne savait pas si c'était un mécanisme, si c'était du minéral qui se transformait en vivant. C'était déjà très inquiétant. Et après, c'était une forme humaine, c'était aussi inquiétant. Après, c'était un homme, et après, c'était une femme. Ah ! Elle était vieille, elle était jeune, elle était tout. Donc, c'est du buteau libre. Et vraiment, cette nonne vient de là. Et l'apparition de la nonne dans le bouquin, c'est ça. C'est un tas de laine et il sort un bras. Paf, avec un ongle. Aïe. Et c'est le début des... C'est le début de... Enfin, la machine va se gripper. La machine de la narratrice. Mais en même temps, ça va lui permettre d'aller plus loin dans son entraînement, puisqu'il va comprendre un humain. Je parlais d'équilibre. Le mot est choisi. Puisqu'elle va aussi l'entraîner sur un fil, tout au bord de la montagne. C'était aussi important, le côté équilibre, de l'imager à ce point-là, de la faire prendre ces risques-là. Le truc de l'équilibre, c'est peut-être l'histoire d'un chemin très, très simple qui serait... une ligne droite comme ça, mais rendue courbe par la présence du vide et par la souplesse de cette affaire-là. C'est un peu comme si, de toute façon, dans cette
disposition qu'elle a prise, c'est-à-dire de se mettre au cœur d'une nature très variable, comme au cœur des passions humaines, et de chercher quand même un fil tendu, mais souple, et de marcher là-dessus. Comme un jeu au cirque. Ça s'appelle le grand jeu. Et c'est un jeu, et ça n'est qu'un jeu, c'est la vie, quoi. J'ai parlé aussi de plein de petits animaux, d'insectes, de nature. Ça m'a un peu fait penser à l'homme des bois, à Walden de Soro. Est-ce que ce serait une version plus moderne de la femme des bois et d'une interrogation sur la place de la nature aussi? Oui, ça peut être la femme des bois, mais elle s'installe. C'est moins. Elle est moins dans l'analyse, quand même. Enfin, et puis. Son problème, c'est pas de travailler 2 heures par jour ou pas. Mais j'adore Walden, c'est une vieille lecture. Mais effectivement, c'est une femme des bois. Et l'autre aussi, c'est une femme des bois. Donc elle est pas. C'est pas Diogène qui cherche un homme avec sa lanterne en ville. C'est une femme qui cherche personne et qui tombe sur une autre femme. Et ça fait un peu sauter la figure du maître, quand même. C'est pas un maître stoïcien qu'elle rencontre, ni. Un maître zen, c'est, on ne sait pas quoi, peut-être une idiote, peut-être un vrai maître, on ne sait pas. Ça reste en suspens, ça. La narratrice dit à un moment, renoncer fait partie du chemin. Est-ce que vous pensez que, dans votre travail d'écrivain, renoncer peut aussi faire partie du chemin? Est-ce que, et puis on reprend, on revient, on détourne? Je ne comprends pas bien la question. C'est pas grave, je me noie. Enfin, je ne vais pas renoncer tout de suite, je pense. Je crois que je vais continuer, moi. Mais, enfin, je vais voir. Hein, Non, mais quand je dis renoncer, c'est, on peut rebousser chemin et prendre un autre chemin et tester autre chose. Ah oui. On peut jeter des trucs en cours de route, oui. Oui, c'est mieux. Ouais, elle n'était pas terrible, celle-là. Hein. Oui, non, mais quand non, non, d'accord. Ça tombe bien, il est l'heure, alors je vais essayer peut-être de conclure. En fait, pour conclure, comme on est les derniers, qu'on a le droit de dépasser de 5 minutes, tu nous lis un extrait. Ah tout bon? Petit, tout petit. Elle lit divinement bien. Ah bah, super. Tout petit. 2 minutes. Les éléments sont exagérés. Depuis 4 jours, c'est le vent. Il détrône la chaleur, il la pousse dans la vallée à grands coups de trompe. Plus rien n'est immobile. Les insectes ne décident plus de leur trajectoire. Les jets rasent la pelouse pour éviter les bourrasques. Les rapaces, à l'inverse, prennent de la hauteur. Tout bouge. Le moindre brin d'herbe, l'aiguille la plus enfouie dans la pelote des pins, les crottes des isards sur les cailloux. Il n'y a pas de rémission. Rien ne s'arrête. Le calme est un moment de suspension entre une tempête et une autre, plus chaude. Lorsqu'il s'installe, il est si surprenant, si dense, qu'il devient une matière, une forme de l'air. Il n'y a pas d'état moyen ici. Rien de ce qui se rapprocherait d'une normale saisonnière en matière de climat. S'il y a des saisons, elles ne correspondent pas à l'idée tempérée qu'on en a. Les éléments s'essayent les uns les autres et c'est un exercice violent, hors catégorie. Les fins du monde se succèdent, mais sans régularité. Les renaissances peuvent survenir en pleine journée ou en pleine nuit, c'est indifférent. La montagne n'a pas de bon sens. Elle n'est pas vivable. Elle me rappelle quotidiennement que ce monde n'est pas le mien. Il ne m'appartient pas. Il ne me sert pas. Il n'est pas exploitable. C'est à peine si on peut y tenir un jardin. Mais je vois tout. Je vois les changements. J'assiste aux métamorphoses. La griffe du brouillard sur une crête, l'invasion qui passe, la chaleur accumulée dans les pins qui lèvent des bouffées de tabac blanc, le ciel en effet, le dépôt de la rosée jusqu'aux genoux, l'armée des iris raides pâlissant dans les prés, la montée des étoiles. Je vois la lune bouger. Il n'y a aucune stabilité, nulle part. L'activité est constante et contrairement à celle des mégapoles, elle n'a aucun rapport avec nous. Ce monde n'est pas fait pour nous. Et c'est un immense soulagement. Il n'est pas fait pour nous. On peut donc y vivre, si on y parvient. Céline Minard, Le Grand Jeu aux éditions Rivage.